Allô? Sénateur Kassi, pourquoi parler? Sénateur Kassi a peine entré, il était au niveau de Tigouave, il a peine entré là, donc c'est lui qui passe la parole. Donc, on vous attendez? Au niveau de Foula pour nous capable d'entendre les questions, parce que c'est vraiment difficile à cause de le secteur et nous pas gagner pour nous attendre et nous gagner. Vous avez tout à l'heure à cette intervention et au commissaire gouvernement, M. Jean-Denis Léger, l'intervention là, d'ailleurs, il était venu avec plusieurs manchettes pour montrer, pour illustrer que. Au niveau de l'Éogan, question référendum, non, c'est pas un sujet. Il n'y a pas même besoin de parler de lui, parce que mon Léogan est déjà mobilisé. Et mon chef qui est venu présenter, il illustré, et clairement, que position mon Léogan en ce qui concerne le référendum, non, pas gain, et bagaille comme ça au niveau de, au niveau de l'Éogan, pardon. Donc, maintenant, de Michel, lui-même, il dit, c'est une question de décadence au point de faire au niveau de tout pays, le 27 juin, c'est non seulement le référendum pas fait, et Jovenel Moïse a obligé, respecter l'article 134-2 qui dit clairement que le mandat est fini. Il y en a fait un pile effort, on a fait un pile manœuvre là pour nous capter parce que c'est un pile bruit, un pile monde qui est de l'éogane. Hervé! Par contre, vous avez une question? Oui, parce que la question manchette là, parce que nous connaissons mobilisation pacifique, bien que le référendum non son violence. Et l'État, Jovenel Moïse, a fait contre le peuple, mais les réponses là sont réponses pacifiques. Vous parlez de manchette. Allô? Oui, madame, bien que son violence et pouvoir a fait sous le peuple, question référendum, non. Mais réponse société à organisation, il doit être pacifique. Vous parlez de manchette. Oui, donc c'est la première fois que M. Jean-Denis présenté manchette. Dernièrement, il a fait ça. Par contre, sur ta plus de réseaux sociaux, il était dit clairement que son référendum n'a pas bien fait au niveau de l'Éogan et c'est des positions arrêtées. Le pape d'accord, nous avons mis le bureau au niveau de l'Éogan et tous les militants ont déjà mobilisé là et ils présentaient vraiment plusieurs manchettes, quelques dizaines de manchettes pour dire que, en ce qui concerne le référendum, donc c'est des dispositions qui prend. Est-ce que c'est de violence, pas bien rendez-vous avec violence? Bon. Ça nous vaut capable de résumer l'Iliane. Ouais, bon mobilisation citoyenne capable de résoudre le problème, non sans manchette. Allô? Ouais, bon mobilisation citoyenne capable de résoudre le problème, ça yo. Faut que nous pas prendre un piège, Jovenel Moïse. Capable plus, mais c'est un rendez-vous avec le ministre et on l'a option pour l'Iliane. Et est-ce que nous attendons, sénateur Akounia? Sénateur Nenel Kassi, bon, on a pas le faire, on a pris une position qu'on y a à l'Iliane pour nous. Permettre aux auditeurs du Christ à suivre l'intervention et au bout de l'intervention, sénateur Nenel Kassi qui a fait un peu là, non, et ce programme est au gamin. Je ne sais pas si je suis là. Je n'ai pas dû parler, mais qu'on y a, nous-mêmes, c'est préparer pour nous préparer, pendant qu'on apprend énergie dans la question référendum, pour nous tout dégager, Jovenel. Parce que c'est trop à tort, Jovenel, c'est nous trop. Jovenel, pas respecter nous trop. Nous faisons 3 mois l'offre pour nous dire Jovenel, le pays n'a pas voulu. Je dis à Jovenel, pensait que pendant qu'elle n'a pas voulu, nous dans le pays à faire confiance, mais elle pensait qu'elle n'a pas fait référendum. Pour protéger cette vie, protéger la politique, assassin criminel, voler tout le monde. Ça n'a pas passé. Et c'est peut-être ça, on a dit, mais ça et ça, il doit aller de tous côtés, dans la section communale, dans l'habitation, la caille chaque monde, pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous casser la question du référendum. Et on a dit, parole ça, on a répété l'enfant, il est important, la question du référendum, ça, pour nous entendre tout le monde. Moun qui va parler, c'est qu'il est complice. Et là, complice, ça peut prendre notre bouton. Parce que le référendum, ça, son référendum ancien volé, ancien kidnappé, ancien criminel, mélangé avec nouveau criminel, c'est plus ou futur criminel qui va le venir. Mais on fait un bagage pour cette chose, et je continue à faire le pays dans la partie. Ça va pas passer. Parce que la constitution que nous là, de protéger nous, c'est droit tout le monde qui est là-dedans. Et il y a 2 articles dans la constitution, ça, peuple là, préparez pour le prison, pour le prendre en mort, pour le prendre tout le bagage qui est là.
134 tirés de là, le peuple a dit lui-même de préparer pour la bataille. 284 tirés de là, le peuple a préparé pour faire la guerre. En fait, n'importe qui veut faire la guerre avec. Et victoire, c'est pas l'autre côté. C'est bon côté peuple haïtien. Victoire, ça, c'est pour la jeunesse. C'est pour le peuple. C'est pour retirer le pays dans sa vie là. Parce que, ouais, pas ouais, n'a brisé notre transition de rupture. Il y a toujours du peuple là. Nous t'allons. Mais nous faisons que la main à l'âge, n'a pas traversé quand même. Là, je dis, nous-mêmes, nous prenons détermination, engagement, nous. Pour mener le peuple là, carnaval, et mener le peuple là. Merci, Hervé. Voilà l'idée. Oui, Hervé. Oui, c'était le fondateur René Cassie qui s'est parlé avec nous. Oui. Hervé, gagne le monde. Oui, oui, gagne un bon valet, un bon valet, monde là. Et plusieurs couchements. Et les organes qui réunissent là dans ce programme, qui viennent suivre l'assemblement ça que le secteur démocratique s'est lancé depuis la semaine passée, les quatre virées ont fait pour sensibiliser les gens en ce qui concerne le dossier référendum. Dans la première partie, l'assemblement ou bien intervenant et prendre la parole, c'était Patrick César, qui est délégué, représentant exécutif, et bien après, militant politique, nous connaissons. Qui toujours manqué ce manifestation dans le Port-au-Prince Design, Canapé Vert représentant le Force Canapé Vert Régrès, et c'est gagné Maître André Michel, et bien tout, ancien commissaire gouvernement, Maître Jean-Jacques Léger, et c'est qu'on y a David Baltazan, qui a appelé ce prénom, et l'assemblement, et Liliane. Donc, il y a bien plus de difficultés pour nous donner, mais la question est de prendre quelques questions, parce qu'on est sous l'autre préoccupation. Oui, m'bra libéré ou qui est-ce que c'est Tigouave? Tigouave, c'est presque même cas de figure là, à part quelques incidents de militants qui étaient peut-être un petit peu pas contents par rapport avec une position qui était prise pour recevoir délégation pour un prince qui est Daniel Baltazar, Antoine Cassi, André Michel. Et plusieurs militants s'est montés au fâché parce qu'ils n'ont pas conformé de présentation. Ça qui est un peu et rassemblement, c'est Gessi et quelques par l'empile, mais ça s'est bien passé en quelque sorte. Et c'est Maître André Michel qui prend la parole, Général Cassi qui prend la parole, et c'est un représentant opposition au niveau de Tigouave, tout qui se prend la parole. Et donc c'est comme ça, ça c'est qui pas de gagner, et trois incidents majeurs au niveau de Tigouave et Ligal. Eh bien, n'attendons dans le studio. Nous avons pas de parole, mon pote là, qui c'est André Raphaël qui voulait ajouter quelques mots. On va suivre maintenant et dire où on a ses premières impressions. Bon, son réussite totale. Et nous saluons le courage de la population et région des Palmes qui assume la responsabilité. Et nous nous accompagnons pour nous dire rester mobilisés pour faire échec avec le projet. Docteur Gilles Louis Dorman, secteur démocratique et populaire, lancé un pingan par responsable l'église et l'école contre l'idée pour mettre local institution à disposition l'État haïtien pour organiser référendum. Dans la date 27 juin, qui venu là pour y changer la constitution, militants politiques là encouragé la population à craser tout ça qui a un rapport avec le référendum. Puis loin, M. Louis Dor a accusé représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Hélène Miguel. La Lime, l'idée qui gaspillait 20 millions de dollars Haïti te mette dans le basket. Nous tous nous d'accord, référendum illégal, ça quoi le fait là, faut que nous crasser, faut que nous tous côté ou mettre référendum là, nous crasser tout bagaille là-dedans, nous tous nous d'accord ça. Nous d'accord que son loi illégal, son ordre illégal, son bagaille qui a mettre pays en esclavage, nous crasser tout ça qui est de référendum. Nous tous nous d'accord ça. Et nous faisons déclaration ça clair. Nous crasser tout côté qui marque référendum. Et nous payons ça, ou bien dire publiquement. Et nous dit peuple là,
y a un monde qui est caille, qui est l'église, qui est l'école, que nous aimons, que nous voulons protéger, pas bailli pour référendum, parce que le peuple a pris le déchaîné et l'a crasé tout ça qui a fait référendum. Parce que nous pas quitter Jovenel Moïse et sa clé, viennent mettre peuple, réduire peuple en esclavage, viennent mettre peuple là, dans l'état, viennent mettre là, dans l'obscurantisme total, pour le cas mettre une loi qui ne paraît pas la désidérata. Nous, n'a défendu la Constitution 87 là, n'a défendu la liberté, n'a défendu le droit de vivre, n'a défendu le respect des principes et des lois, et en vertu de tout ça, a fait le référendum. Nous entendons nous toute en opposition. Et si M. voulait le mettre arrêté comme il y a un code, n'a pas de code, il met chaque code, comment ça arrêter, n'a crassé tout ça gagné en rapport avec le référendum. Docteur et nous tous lançons appel à l'international là. Parce que nous comptons Madame Lalime. Madame Lalime à travers une offre qui prend 20 millions de dollars pays que Haïti te mettait dans basket fond pour comme seul pays qui te contribué d'ailleurs l'autre pays au pas de bail. Madame Lalime de Binu prend l'argent ça qui paye une offre 7 millions de dollars. Nous dit peuple là. Tout côté gagné bureau une offre à faire manifestation devant eux. Et depuis nous, un matériel qui marque référendum rentrant dans le bureau après vous mettez dehors pour les. Et nous dit seulement pas pour les machines inops, parce que les machines ça yo, pays a saisi, on a besoin yo, protéger chauffeur yo, parce que c'est chauffeur haïtien yo, mais tout matériel qui marque référendum, on nous suspecte, c'est pour référendum prend yo.